Monsieur Herpin, vous présentez Totka et il semble que vous êtes sur lui d'ailleurs, quand vous me répondez là, c'est ça? Oui, tout à fait. Je viens de terminer son dernier canter en vue du quintet de vendredi. Comment est-il? Parce qu'on ne l'a pas revu depuis un bail, depuis un an et demi. Le cheval est bien. Maintenant, c'est vrai qu'on ne l'a pas revu depuis 18 mois. Bon, on ne va pas se mentir, le cheval est vieillissant. Il va avoir besoin de compétition malgré qu'il ait beaucoup de travail derrière lui. On affronte quand même d'entrée de jeu un quintet. Le problème qui se passe, c'est qu'on n'a pas trop le choix des engagements à cette saison. Et puis la rentrée en province va arriver très vite. Bon, le cheval va courir en ayant besoin de compétition. Il a le droit, avec un poids comme ça et dans un terrain qui va sûrement être pénible, la plus violente, d'aller chercher une 6-7e place. Ouais. Mais c'est surtout une bonne rentrée en vue de la rentrée des courses de l'Ouest au mois de mars. C'est un cheval, pas forcément un cheval de haie en plus, hein. Il a fait l'arrivée en haie. Moi, à l'époque, en tant que jockey, j'étais second en course de rentrée à Pau. Mais bon, le cheval était plus jeune, hein. Aujourd'hui, il a 11 ans. Et puis, les combats sont quand même là, hein. Ça a quand même été un cheval de valeur listed, même petit groupe. Donc, il reste vieillissant. Il avait des soucis de jambes, non? Le cheval a eu un petit souci de jambes. Et puis, c'est un cheval qui a toujours un petit peu saigné tout au long de sa carrière. Et il avait été mis au champ, oublié, et puis, façon de dire oublié, hein, mais pour lui, pour son mental, et là, le voilà de retour, le cheval est bien, il est souple, bon, on verra vendredi. Donc, son avenir, ce sera en province, ce sera pas forcément à Auteuil. Non, on retournera pas, non, je ne pense pas qu'on retournera à Auteuil, je dirais franchement, parce que le cheval a quand même pris des combats, bon, il est quand même vieillissant, voilà, aller affronter des fous un petit peu plus jeunes que lui est vraiment au top niveau pour être 5-6. Ouais. Bon, ça va être compliqué, non, on va le déclasser, le cheval est à zéro dans les gars, donc on va le déclasser et puis on va essayer de lui refaire sa dernière année comme ça avant d'aller en retraite. Les engagements ne vont pas manquer en effet. Non, 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 non.